Lionel Messi signe à Miami et on a tous cette chanson en tête et vous allez tous la voir dans la suite de cette vidéo. Welcome to Miami, bienvenido à Miami. Eh oui, Léo Messi ne reviendra pas du côté du FC Barcelone, il a fait son choix. Ce sont les journalistes les plus proches de lui qui l'ont annoncé cet après-midi sur Twitter. Léo Messi a choisi de découvrir la Major League Soccer et il a donc refusé de retourner au Barça, refusé, on va en savoir plus bien évidemment dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce que le Barça était bien évidemment sur lui, il a aussi refusé pour des raisons familiales de signer en Arabie saoudite, là où un contrat de deux saisons et 1,2 milliard l'attendait. Gros choix du meilleur joueur de tous les temps, celui qui a tout gagné, gagné, celui qui a plié le game en décembre dernier. À mon grand désarroi, parce que évidemment j'étais supporter de l'équipe de France, mais il a remporté cette Coupe du Monde, cette étoile, ce trophée qui lui manquait. Bienvenue sur Sem Football, c'est un plaisir de vous retrouver pour évoquer évidemment cette vidéo mercato, ce gros choix, parce qu'on va se parler également de la Coupe du Monde. Et oui, la Coupe du Monde 2026. Beaucoup parlent aujourd'hui du mondial 2030 potentiel en Arabie saoudite, en Égypte et également en Grèce, avec cette volonté de l'Arabie saoudite d'accueillir cette Coupe du Monde. Mais n'oublions pas que rien n'est fait pour 2030 et tout est joué déjà pour 2026. Et Léo Messi a fait le choix d'aller vers les États-Unis avec sa famille pour aussi participer à la promotion de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas écrit, on n'a pas encore ces informations-là, mais en businessman tel qu'il est. Évidemment qu'il va participer indirectement, au minimum, à cette Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors, l'information est tombée cet après-midi. Plusieurs visuels avaient déjà été réalisés autour de Léo Messi. Léo Messi va donc retrouver... David Beckham, un David Beckham, qui était venu le saluer au camp au des loges, euh, au Paris Saint-Germain, euh, il y a quelques semaines. Léo Messi, qui, dit, qui quitte donc le Paris Saint-Germain par une porte moyenne, je dirais, tant sa saison, même si statistiquement elle a été intéressante, on a l'impression que ce passage au Paris Saint-Germain a été raté. Un mariage raté par rapport à toute la carrière qu'il a accomplie au FC Barcelone, tous les titres qu'il a remportés au FC Barcelone. On a eu un mariage qui était marketing du côté du Paris Saint-Germain et peu sportif parce que, même si, on l'a dit, Messi a brillé au niveau des statistiques, enfin brillé, il a réalisé et atteint les standards habituels qu'il pouvait réaliser dans un nouveau club. Sa première saison était plutôt mitigée à Paris. Ce qui ressort de sa deuxième saison, c'est qu'il aurait préparé sa Coupe du Monde avec le staff médical, le staff sportif du Paris Saint-Germain pour être shape, justement. Au moment venu, et pour remporter cette Coupe du Monde, et les supporters du Paris Saint-Germain lui en ont voulu justement de ne pas être à la hauteur de ce qu'il a pu réaliser du côté du FC Barcelone. Alors, ça sera un mariage euh, imparfait du côté du Paris Saint-Germain. Beaucoup, beaucoup espéré et moi aussi le voir retourner euh, du côté du FC Barcelone. Alors, je l'espérais pas en tant que supporter du FC Barcelone euh, parce que je suis pas spécifiquement supporter euh, du FC Barcelone, je pense que vous pouvez le voir derrière ici, il y a beaucoup d'éléments euh, autour de l'Olympique de Marseille, c'est l'unique et seul club que je supporte mais évidemment en tant que supporter du football, j'avais espéré retrouver Léo Messi du côté du Barça. Et puis, je vous avais même préparé, d'ailleurs, un petit visuel, le retour du roi. La boucle aurait été bouclée. Léo Messi, dans son club de formation, aurait pu justement finir sa carrière en Europe. Alors, qu'est-ce qui a manqué du côté du FC Barcelone pour signer Léo Messi Certains diront qu'il y a eu peut-être un mensonge de la part du président Laporta. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu de mensonge. Je pense que euh, Léo Messi a réellement eu la volonté de retourner du côté du Barça, mais tous les éléments économiques n'étaient pas rassemblés pour faire de Messi un retour dans son club de cœur. Alors certains détracteurs pourraient dire, ouais, mais il, ne, il aurait pu jouer euh, pour zéro, ce n'est pas possible en Liga. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, du côté économique, même si le président Laporta a fait énormément de bien du côté du Barça, tous les éléments ne sont pas réunis pour pouvoir inscrire Léo Messi. Et je pense que euh, même si tu es Léo Messi, que tu as envie de revenir du côté du Barça, eh bien, euh, si tu penses que tu as encore sportivement la possibilité, la capacité de pouvoir jouer au football et que certaines offres sont marquées dans le temps, ben, il y a un moment tu fais un choix. Et puis je pense aussi, il euh, faut peut-être pas se mentir aussi, que Léo Messi, euh, il avait envie de revenir du côté du Barça, mais peut-être que euh, d'un point de vue familial, avec sa femme et ses trois enfants, il avait envie de découvrir un nouveau continent, un nouveau continent. Le continent américain le connaît à travers l'Argentine, mais l'Amérique du Nord, un nouveau championnat. Et on va l'apprendre, je pense encore une fois, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il y a à mon avis des choses qui se passent au niveau des contrats marketing, au niveau des contrats aussi au, euh, d'organisation de cette Coupe du Monde 2026. On va en parler juste après. En tout cas, il a dit non au Barça, mais il a aussi dit non. À Al-Hilal. Il a aussi dit dans au gouvernement euh, saoudien. On voit en ce moment que de nombreux joueurs sont sollicités pour aller justement du côté de l'Arabie saoudite. Un Arabie saoudite euh, qui a été ouvert médiatiquement avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, son principal, on va dire, concurrent dans sa carrière, les deux goats du football. Ça aurait été beau de les voir tous les deux là-bas. Karim Benzema, euh, qui a signé hier. De l'autre côté, Ngolo Kanté, qui arrive lui aussi du côté euh, de Al-Hilal. Euh, Al euh, non, de Al-Nasser. Euh, Al je ne sais plus. Je sais plus où il signe euh, Ngolo Kanté. Il y a justement trois clubs qui cherchent à recruter un maximum de joueurs européens pour aller justement développer la Saudi Pro League. Léo Messi, lui c'est ce qu'on apprend dans les premiers éléments euh, de la presse, aurait choisi de ne pas y aller pour des raisons familiales. Alors, euh, certains diront, oui, vous avez vu, il n'a pas fait comme Cristiano Ronaldo, il n'a pas succombé à ses centaines de millions d'euros. Ok, on peut prendre cette information-là, mais on va la nuancer quand même un petit peu. Léo Messi, en businessman tel qu'il est, il a pris le contrat de promotion du tourisme de l'Arabie Saoudite. On se rappelle que il y a quelques semaines il y était encore et il a été, euh, on va dire, suspendu par le Paris Saint-Germain euh, avant de s'excuser. Il a pris ce contrat quand même. Et aujourd'hui, eh bien, il s'ouvre à différents marchés et il va aller se poser du côté de la MLS, du côté de l'Inter Miami. Alors, on va apprendre évidemment euh, autour de lui ce que, quelles sont les attentes. On va le savoir euh, évidemment dans les, euh, prochaines, dans les euh, prochaines semaines comment son retour va se faire euh, du côté de son retour so, so, sa signature va se faire de, du côté de l'Inter Miami je scrute en même temps je scrute en même temps quelles sont euh, les informations qui sortent euh, sur Twitter quelles attentes peut-on avoir autour de Léo Messi bah Déjà, il va découvrir un nouveau euh, championnat. Alors Il se disait du côté de la MLS qu'il aurait pu que les... Puisqu'il euh, qu y a un salary cap euh, pour, pour euh, les joueurs aux États-Unis, mais qu'il y a deux ou trois franchise players qui peuvent être justement utilisés pour dépasser, comme Zlatan l'était, comme Thierry Henry euh, l'était, entre autres. J'imagine que Léo Messi va avoir un salaire qui va être euh, déplafonné. Mais il semblait aussi, du côté de la MLS, qu'on pouvait attendre des autres clubs de participer au salaire parce que Léo Messi allait justement drainer un maximum de public, évidemment, dans tous les stades aux États-Unis. Et quelle formidable image aujourd'hui va apporter Léo Messi dans ce championnat qui grandit, qui se développe à trois ans à trois saisons, ah attendez, 23, 24, 24, 25, oui, à trois saisons, à trois saisons du Mondial. Formidable pour tout un marché économique à développer, un marché footballistique aussi, parce que, nul doute que de nombreux jeunes Américains et Américaines vont vouloir apprendre à jouer au soccer, au football, grâce à l'émergence et à l'arrivée de Léo Messi. En termes marketing, en plus, imaginez... La star marketing du football, même s'il a pris sa retraite, c'est quand même David Beckham. David Beckham va se montrer avec Léo Messi. Quelle formidable image pour tous les contrats. Parce qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui, on est clairement dans l'ère du foot business. Et là, on a vraiment un angle à travailler qui va être formidable et qu'on étudiera. Parce que j'imagine que les réseaux sociaux vont exploser du côté des États-Unis les réseaux sociaux également de Léo Messi, et les contrats marketing vont être faramineux pour cette ligue et pour la FIFA, qui a comme sponsor Adidas, qui est sponsor également de l'Inter-Miami, si je ne me trompe pas, et de Léo Messi. Vous imaginez le lien marketing et business qui est en train de se créer à l'heure où on voit l'Arabie saoudite recruter à tour de bras de nombreux joueurs à des centaines de millions d'euros les Américains frappent un très grand coup dans le football ici. Alors, évidemment, on, a, on aura des attentes sportives, on aura des attentes pour le voir remporter la MLS et puis de voir comment il va se comporter euh, dans les coupes euh, internationales américaines pour justement continuer à faire progresser son palmarès. Alors, euh, mon avis sur la situation bah, vous, si vous ne me connaissez pas, euh, abonnez-vous déjà, comme ça, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et euh, si vous me connaissez, vous savez que je suis un amoureux et un romantique du football. Et pour moi, oui, j'aurais aimé voir Léo Messi retourner euh, du côté du Barça. J'aurais même aimé le voir rester au Barça pour la beauté du football. Ça aurait été magnifique de le voir faire toute sa carrière sous un seul et même maillot tellement il a été extraordinaire avec ce Barça et alors il est moins flamboyant parce que il a joué euh, évidemment au Paris Saint Germain je trouve très intéressant et très intelligent le fait d'aller euh, à l'encontre de tout ce qui euh, se trame aujourd'hui avec euh, cette Arabie Saoudite qui est en train de mettre des centaines de millions d'euros dans le football tout en sachant que le choix qu'il est en train de réaliser est également un choix économique Là où je suis déçu, c'est que on n'aura plus l'occasion de voir Léo Messi toutes les semaines euh, en direct comme on a pu le voir avec le Barça ou avec le Paris Saint-Germain et c'est une vraie page qui est en train de se tourner. Zlatan a quitté euh, le monde du football, on a Karim Benzema qui quitte le marché européen, Cristiano Ronaldo qui l'a quitté également. Voilà, Léo Messi désormais vers les États-Unis. C'est une grande, grande page du football des années 2000 qui se tourne, et c'est évidemment une vraie déception. Une déception pas au sens euh, euh, je lui en veux. C'est une déception, c'est une tristesse. Voilà, une autre page va s'ouvrir avec les Kylian Mbappé, les Erling Haaland, un autre football est en train de se développer. Voilà, mais c'est dommage. Voilà, j'aurais bien aimé euh, le voir faire The Last Dance du côté du Barça. Ça aurait été une formidable image. On verra ce qu'il va donner du côté des États-Unis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce, de cette vidéo, de ce départ du côté de la MLS. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se rapproche des 100 000 abonnés et c'est grâce à votre soutien. Donc merci beaucoup pour la force que vous m'apportez. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo parce que en ce moment le mercato est chargé et samedi il y a la finale de la Ligue des Champions. Évidemment, tous ces sujets seront traités sur la chaîne CM Football. Alors merci d'avance pour vos abonnements. A très vite. Ciao